Salut à tous, c'est Undeadeye, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Territory Animal Génétique Stratégie. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai découvert tout récemment et fait partie de la catégorie petite config, petit budget. Donc un format que j'ai lancé il n'y a pas longtemps où en gros vous n'avez pas besoin d'un gros ordi pour jouer ni d'un gros budget. Vraiment ça s'adresse aux petites configs et aux petits budgets, vous l'aurez compris. On va découvrir le jeu ensemble, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui est fort probable, vous jouez le rôle d'un dieu, d'accord, qui va devoir surveiller une espèce animale. Donc là on va découvrir ensemble. J'ai fait les deux premières missions et maintenant on va essayer de gérer un petit peu les... Je crois que ce sont des écureuils. Et bah allons pour essayer d'aider des écureuils. Donc en gros, on va devoir essayer de faire en sorte, donc il y aura des territoires qui vont être pris par certains animaux, il y aura de la nourriture en commun, il faudra les faire migrer, il faudra les faire évoluer, il faudra défendre nos terres, attaquer celles des voisins, bref ça va être plutôt cool. Donc je suis un petit écureuil, salut, il y a assez d'écureuils ici, bref on va zapper un peu l'histoire, mais en gros, voilà, je peux appuyer sur F2, en appuyant sur F2, vous voyez, je vois directement ce que moi je consomme. Donc je suis un petit écureuil, on fait partie des petits animaux. Il y a des animaux un petit peu plus grands qui sont taille médium, donc là il faudrait quand même se méfier. Et nous en tant qu'écureuil, on va manger des glands, on va manger des pommes de pin. Donc je pense que le principal problème sera les souris, parce que les souris vont manger exactement la même source de nourriture que nous. Donc l'intérêt pour nous va être de les défoncer, justement pour être sûr de récupérer le maximum de nourriture. Donc là vous voyez, j'ai mon petit territoire. Ici, donc j'ai 7 écureuils, d'accord, j'ai 7 guerriers, j'ai 5 naissances qui n'ont pas tard d'arriver. Et là, pour l'instant, le but va être simplement de surveiller, hein, tout simplement, bêtement. Je peux faire évoluer leur génome pour augmenter la digestion, le métabolisme, la reproduction, enfin bref, il y a pas mal de bonnes choses. Je peux également avoir les détails, donc de quoi ils meurent, ce qu'ils font, est-ce qu'ils jouent, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils communiquent les uns avec les autres, enfin bref, un peu un détail. Je peux envahir et... protéger mon territoire et les faire migrer. Là on va rentrer dans la première phase de jeu, donc les 90 jours, les 90 premiers jours, on ne peut pas attaquer. Donc là on va laisser se développer tranquillement, et comme vous pouvez le voir, pour l'instant on n'a pas une grosse migration. Par contre on peut voir que les lemmings, eux, contrairement à nous, ont déjà deux territoires. Où sont les souris? Les souris sont là, d'accord? Ils ont 17 de population, 18, et nous on est seulement 10, donc pour l'instant on n'a pas grand chose. Ouais, ça peut être compliqué. On va essayer de gérer. J'aimerais bien qu'ils aient un peu plus de reproduction pour aller un peu plus vite dans la naissance, parce que là, clairement, ça peut être compliqué. Donc on augmente un petit peu, vous voyez, en mettant des points d'ADN, j'augmente le maximum de génome qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est assez intéressant. Ils sont déjà bien vigilants, j'augmente un peu le fight, parce qu'on sait jamais, un peu l'agilité... La reproduction à mort et le métabolisme, j'ai l'impression qu'il meurt très vite. Donc bon, voilà, c'est pas forcément le plus sympa. Alors on a quoi? Ça nous permettrait de générer, de brûler moins de nourriture, de se déplacer plus vite et d'être plus agile. Mais par contre on va mourir de faim plus vite. Ouais non, bah pour l'instant on va les laisser tel quel. En termes de digestion, ils sont déjà à fond. Ils ont déjà des génomes en place, donc ils sont déjà à fond. En termes de fight, on pourrait augmenter la... on pourrait le faire, là ils l'ont déjà... On pourrait rajouter des griffes, plus de peau, enfin bref, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Pour l'instant, on va d'abord les laisser se développer gentiment. On a besoin de toute façon, alors on a des points, j'ai oublié de vous prévenir, mais on a des points. Ces points-là sont des points, j'appelle ça des points d'ADN, hein, qui nous permettent d'améliorer notre race, de les faire migrer vers un autre territoire quand ils sont trop nombreux pour leur territoire. Bref, on peut leur permettre de faire plein de choses avec. Hein. Mais pour le moment... On n'a pas trop d'autre choix de claquer ces points-là pour essayer de les faire tenir un petit peu plus longtemps en métabolisme. Parce que là, ils meurent trop vite et du coup, on n'a pas une bonne naissance. Pareil pour la reproduction, il faudrait qu'on booste un petit peu ça. D'ailleurs, en repro, est-ce qu'il y aurait moyen de... Tiens, métabolisme, on a quoi? Ils ont besoin de moins d'énergie et en plus, ils peuvent vivre un peu plus longtemps. Ok, bah on va valider. Et je vais insérer ça. Reproduction. Ah, plus de naissance, ça peut être pas mal. Ou alors, on a quoi? L'immunité... Pour augmenter la population optimale, ça peut être intéressant. Ou ça, pour augmenter tout. Par contre, ils vivent Alors, ils grandissent un peu plus vite. Par contre, ils meurent un peu plus tôt. Ouais. On va simplement les rendre fertiles, je pense. C'est déjà un bon début. Et on va attendre un peu.
On essaie de les faire survivre. Et donc nous, on ne peut pas interagir en direct. On est obligé de donner des ordres, et en tout cas de les faire évoluer. On joue un peu le maître de la nature, si vous voulez. Et je trouve ça cool, voilà. C'est un petit jeu un peu sympa. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on est déjà passé à 94 jours. Et bah maintenant, ils vont pouvoir nous envahir, donc bon. Alors, ils ont 5 guerriers, on a combien, nous? 6? Ah ouais. On a beaucoup moins de naissances, on n'est pas bon. On est juste pas bon pour l'instant. On est maintenant 14 sur notre territoire. 16, ça y est, on commence enfin à reprendre un peu du poids de la bête, ça c'est cool. Notre base est déjà à 1, alors oui, on peut effectivement attaquer, je sais, mais pour l'instant ça me paraît un peu trop tôt pour attaquer. Est-ce que je pourrais pas augmenter un peu leur métabolisme et leur reproduction? On a besoin. Voilà, déjà là je suis obligé. Maintenant qu'on aura, ouais, on commence à avoir pas mal de naissances, on commence à être bon. Eux pareil, ils sont déjà mieux que nous. Et c'est eux, surtout les rats qu'il faut surveiller. Les rats sont déjà une trentaine, ouais, ça va super vite. Ok. Et bah les gars, maintenant on va économiser les points pour justement les faire migrer vers un deuxième camp, un deuxième territoire. Parce que le problème, c'est qu'il y a de la nourriture qui est partagée à travers tout le territoire. Et la nourriture, si on commence à avoir une production d'unités trop haute par rapport à la nourriture disponible, ils vont commencer à mourir de faim. Alors les biches ont migré vers un deuxième territoire. Ok, bah les biches, c'est pas grave, parce qu'ils mangent pas la même chose que nous, donc je m'en fous un peu. Par contre, les biches sont à côté des rats. Est-ce qu'ils attaquent les rats? Non, ils se tolèrent. Les rats, ils ont combien? Ils ont 14 guerriers. Et nous, on en a combien? On est à 15. On va peut-être lancer... Vas-y, on va lancer un assaut. On va lancer un assaut, donc je vais demander... Hop! À mes rats... à mes écureuils... D'aller assaut ce camp-là. On va balancer... les plus forts en dégâts. Voilà, et on envoie du lourd. Donc là, ils vont tous à l'attaquer comme des bœufs. Je pense que c'est une attaque suicidaire, hein. On va pas se le cacher. Mais c'est pas grave, parce que ça permettra de gérer la nourriture. On commençait à en manquer sur le territoire, donc ça fera des morts. Donc il y aura plus de bouffe pour les autres. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Sont bientôt, on pourra migrer vers un autre territoire. Et là, regardez-les, ils vont tous à l'assaut là. Ils partent, ils sont énervés. Allez, tuez des souris. Tu fais des souris, je pense qu'ils vont mourir parce qu'ils sont clairement pas assez nombreux pour attaquer, mais est-ce qu'il va réussir à se le faire? Poum, il l'a eu. Il l'a eu. Et il a été tué pour la suite. Ah non, il est revenu. Il est revenu. Ah par contre, je crois qu'il va mourir de faim. Ouais, bah tant pis. Ok, on va les faire migrer. Donc là, en termes de territoire, on va être pas mal. Je vais faire migrer une grosse partie de la population, boum. Donc là, deuxième camp, vous voyez, ils vont se séparer. Donc ces gens-là vont aller de l'autre côté. Et ça nous permettra d'avoir deux territoires. Sachant que les rats en ont pour l'instant qu'un seul. Et qu'on va continuer à les harceler. On va envoyer petit à petit des assauts. C'est une bonne stratégie, je pense, pour dominer la game. En attendant, vous... vous les gars, vous avez intérêt à vous reproduire, etc. On a besoin en termes de population. En bas, sur mon icône d'écureuil, je peux savoir combien il y a d'écureuils dans chaque camp. Donc le premier en a 23, le deuxième en a 18. Et ça, c'est cool. Franchement, le jeu est sympa. Hein. Voilà, je sais qu'il plaira pas à tout le monde, mais le jeu reste sympa. Alors ça donne quoi pour l'instant ? En termes de génome, est-ce que je pourrais pas augmenter un peu les dégâts? Ouais, fight, boum. On pourrait leur mettre des cornes pour augmenter la défense et l'attaque, on va dire oui. Et le métabolisme pour qu'il dure encore un petit peu plus longtemps, si possible. Alors ça nous ferait quoi? Il pourrait durer encore un peu plus en vie. Enfin, en tout cas, il pourrait rester en vie plus longtemps, pardon. Et manger un peu plus. Et bah, go. On va faire ça comme ça. Ça me paraît pas mal du tout, voilà. Comme ça, vous restez plus longtemps en vie, ça vous permet de faire des bébés plus rapidement, d'avoir... Ah mince, c'est un deuxième camp. Un deuxième camp des souris. Ouah, c'est vraiment le clan des souris contre le clan des écureuils, quoi. Alors, pour l'instant, on a un camp niveau 2, un camp niveau 1. Eux, ils ont qu'un seul camp niveau 1. L'autre est encore niveau 0, donc c'est plutôt intéressant pour nous. Et ben, vous allez assaut le nouveau camp. On va surtout faire... On va faire en sorte qu'ils puissent, si possible, mourir. Il y a combien? Il y a 4 guerriers. On en voit 1, 2, 3. Ouais, on en voit pas mal. Hein. Et bah ok, on y va. Allez-y les gars, je vous demande d'assaut. Vous de ce côté-là, c'est pareil. Je vais vous demander d'assaut ce camp-là. Également. Hop, d'envoyer plus de monde. Et voilà, là, nos deux camps vont attaquer directement les rats. Donc on va essayer de détruire leur dernier camp. Le but c'est... Oh! Oh mon dieu! Les souris peuvent muter en raton laveur. Ah ouais, là ils vont être vénères. Ils vont être vénères si quand ça mute en raton laveur. Non, t'es là, c'est les faire très vite. Hein, parce que sinon ils vont nous mettre tarif. Hein. Alors vite, on se les fait tous. Ouais, regardez le nombre de... regardez le nombre de soldats qui débarquent là. On va tous essayer de les tuer.
Je veux vraiment ruiner ce camp parce qu'ils arrivent à se développer beaucoup plus rapidement que nous. Et l'intérêt pour nous va être de ruiner leur camp, qu'on n'en ait qu'un seul à gérer. Donc je compte sur vous les gars pour leur faire le maximum de dégâts. On a toujours pas réussi à les avoir. Est-ce qu'ils sont trop loin en fait? Ils sont trop loin. Du coup nous après on meurt de faim. En fait ça, mes troupes meurent de faim à la fin. Parce qu'ils sont trop loin. Et ouais, donc au final on leur fait des dégâts mais pas tant que ça quoi. Ok, bah va nous falloir un deuxième camp très vite hein. Donc vous les gars, vous allez continuer à faire des bébés. On va essayer de faire un camp pour se rapprocher par exemple par là, pour se rapprocher au maximum de ce camp là. Je compte sur vous les gars, 850, 856, ça va aller vite. Et je pense qu'on pourra aussi... Alors je peux également mouver, c'est-à-dire je peux demander à des gens du camp 2 étoiles d'aller dans le camp 1 étoile par exemple. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourra faire. Bon ouais, écoute, tant pis, boum. Enfin deuxième camp, je leur demande de migrer. Hop, on a des petits jeunes aussi là-bas. Voilà, ils migrent, on crée un troisième camp. Celui-là sera certainement un peu plus proche, donc ça nous permettra peut-être de mourir un peu moins de faim. Ah donc toi t'étais un camp des étoiles et t'as dû migrer des hommes, enfin en tout cas des rats, jusqu'à l'autre camp pour le remettre à jour. Donc du coup t'as perdu une étoile, t'en as plus qu'une. Ok. Je pense qu'on va avoir besoin de... Ouais, faire améliorer un peu tout ça. L'agilité c'est quoi? C'est la vitesse de déplacement je crois. Ouais, la vitesse de déplacement. On a besoin qu'ils se déplacent vite. Alors on a quoi? Migration, fast. Bah en vrai ouais, je voudrais qu'ils courent vite. Je voudrais qu'ils courent vraiment vite parce que... Ah! Ouais mais non, c'est nul. Migration. Ouais. Bah non, tu vas déplacer vite. L'intérêt pour nous, c'est que du coup, tu pourras peut-être attaquer et repartir avant de mourir de faim si t'es pas trop loin. Et tu te déplaces plus rapidement, ça sera peut-être cool. Ah donc ce camp-là a subi, hein, en envoyant des gens ici, il a subi. Il est passé à 0 étoile alors qu'il était à 2. Celui-ci est en train de se remplir bien comme il faut. Donc ça peut être intéressant. J'ai mouvé un peu des gens. Jusqu'à l'autre camp. On va envoyer un petit peu de monde. Voilà, parfait. Comme ça, ils vont passer de camp à camp. On va essayer de rétablir vraiment un certain équilibre entre les trois camps. Et pour en avoir un quatrième, il faudrait 1200 points. Bon, il reste encore 1000 points à avoir. Donc, on a un peu de temps devant nous. Ok, bah, du coup, ce camp-là s'est dépouillé pour... Bon, c'est pas grave. On va espérer que ça passe. Toi, tu es en train de refaire des bébés. Par là, c'est pareil. On est en train de refaire des bébés, donc c'est cool. Ouais, est-ce qu'on ferait pas un autre camp encore un peu plus proche? Voilà, on n'est pas très loin en vrai. Hein. Les biches ont muté en sanglier. D'accord. Et bah les biches ont muté en sanglier. Ok, bah c'est comme ça. Je crois que dire c'est biche. Hein. Si je me trompe pas hein, en anglais. Alors, on va invade. Donc on va envoyer du monde ici. J'ai envoyé tout le monde. Sauf deux quand même pour maintenir le camp en place. Là, je crois que c'est que mes guerriers, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, c'est tous mes guerriers. Bah, j'envoie tous mes guerriers. À l'assaut. Donc, on peut cliquer sur all, hein, du coup. Ça vous laisse vos citoyens, là. Par contre, tous les guerriers partent. Donc là, on y va. On va essayer de les assauts. Ouais, par contre, il y a du monde. Hein. On les ouvre. Par contre, je crois qu'on arrive à les ouvrir quand même pas mal. Allez, tuez les rats, tuez les rats, tuez les rats. Et là, vous voyez, ils ont de moins en moins de guerriers. Donc ça, c'est positif. Ils ont quand même de moins en moins de guerriers. Nous, par contre, c'est pareil. On a de moins en moins de guerriers aussi. Ouais. Bah, je vais vous demander de... Allez, j'envoie une nouvelle vague. Tous les guerriers à l'assaut. Voilà. J'envoie vraiment tous les guerriers à l'assaut. Vous, les gars, c'est pareil. On va réduire ce camp à néant. J'y tiens. Hop, on fonce. Vous êtes plus rapide. Normalement, ça devrait le faire. Donc là, il y a des vagues et des vagues et des vagues de troupes hein, qui arrivent. Le but va être vraiment de tuer les rats. Et vous voyez, je trouve ça plaisant quand même. Hein. Même si le jeu paye pas de mine. Il n'y a même pas de musique, je crois, en fond. Mais voilà, le jeu paye pas de mine. Mais je trouve qu'il est quand même, il est quand même très cool. Il m'amuse. Franchement, j'arrive à m'amuser dessus, c'est pour vous dire. Après, il ne faut pas grand-chose en général. Je vous l'accorde. Mais quand même. Ok, bah attends, ce camp-là... Ah, le camp a été réduit en miettes. Ça y est, il n'y a plus personne. On a réduit le camp en miettes. Et du coup, eux, ils peuvent rentrer avant de mourir de faim en plus. Donc ça, c'est cool. Il ne reste plus que ce camp-là avec 9 guerriers. Pouah, vous êtes nuls, les gars, on va vous arracher. On va vous arracher le crâne. Bon. En attendant, bah là, je pense qu'on est bien. Je vais faire un deuxième camp pour m'approcher. Ouh, les sangliers. Alors, les sangliers mangent quoi, du coup? Parce que maintenant qu'ils ont évolué... Les sangliers mangent des glands aussi. Ah, donc ça devient une menace également pour nous. Ah ouais. Ok, maintenant qu'ils ont évolué, ça devient une menace. C'est pas évident. Ok, bon, bah, on va espérer que ça passe. Alors, F3, c'est leaderboard... F4 c'est pour l'historique.
F5 pour sauvegarder, F6 pour avoir des nouvelles. Ok, bah, pas de problème. Je découvre un peu, genre, en même temps. On pourrait les faire migrer. Mais là, le problème. Ah ouais, mais les sangliers, ils sont énervés. Les sangliers sont hyper énervés, en fait. Bon, on va migrer vers un autre endroit où il n'y a pas, si possible. Genre là, par exemple, il y a plein de glands. Et on va pouvoir manger. Ok, bah, je vais migrer une bonne partie. Hop là. On va faire un autre camp. Donc là, on a 4 camps, les souris en ont qu'un. Donc je pense qu'on va pouvoir les terminer assez vite en vrai. D'ailleurs, vous les gars, là, on va tous invade. Hop, tout le monde à l'assaut. Vous de ce côté-ci, pareil, tout le monde à l'assaut. Voilà, j'envoie deux camps à l'assaut des... des petits rats. Pendant ce temps-là, ce camp-là est en train de s'en remettre. Ce camp-là est en train de se créer petit à petit. Donc là, on envoie les troupes qu'on a un peu en réserve, qui sont un peu loin de tout. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir un peu la dalle, hein, réellement, mais bon. Le but, même s'ils meurent, je m'en fous un peu. Le but, c'est d'affaiblir les rats en priorité. Et je pense même qu'on va pouvoir leur marcher dessus. Hein. Allez, encore, encore, on est en train de tuer. On tue du monde. On est vraiment horrible. Hein. On est vraiment horrible, on va pas se cacher. Les rats en plus ont été hyper passifs. Ils nous ont même pas attaqué une seule fois. Genre, vraiment, ils étaient cool en mode non, mais laissez-nous vivre, les gars. Mais nous, on attaque. On est des écureuils, on est énervés. Tu vois ce que je veux dire? On est hyper énervés, c'est important. Boum, on l'a tué. Ouais, on aura un assaut suffira pas à tous se les faire. Par contre, on commence à être plutôt pas mal. En vrai, en termes de. Les soldats. Ah ouais, vous revenez. Bah, c'est quoi? Allez hop, nouvelle attaque. Hop, j'envoie tout le monde à l'assaut. Là-bas, on est un peu en guerre de soldats. De ce côté-ci, j'envoie tout le monde là à l'assaut. Hop. Toi, pareil, on va le terminer. On va le terminer. Tout le monde à l'assaut. Hop là, j'envoie tous les camps à l'assaut. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Allez, 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 encore! Oh là là, regardez, regardez l'invasion énorme! Et là, les rats, ils sont combien? Ils sont 4. Ah ouais, non, mais là, on va les dérouiller. On les dérouille. Regardez, on est tous en train de les tuer. On tue même les civils! On s'en fout, on tue même les civils! On tue tout le monde, nous! Voilà, parfait, ouais, on est en train d'exterminer le camp, là. On est vraiment en train d'exterminer, c'est horrible. Oh là là! Il reste plus qu'un seul soldat, il est tout seul! Il va se faire dérouiller. Et il est mort. Et donc là, vous voyez, on a réussi à décimer le camp des rats. Il n'y en a maintenant plus en vie. Et on est pas mal, on est pas mal. Par contre, on peut faire un autre camp? Ouais, on pourrait faire un autre camp, mais bon. Ok, on pourrait faire un autre camp. Alors, maintenant, les conditions de victoire. Il faudrait que j'ai 7 camps. Ah, donc la condition, c'était même pas d'éliminer les rats. Ah, c'est de faire des camps, en fait, c'est tout. Même vous l'avez déjà à 4. Ah ouais, mais moi, j'ai cru que ma condition, c'était d'éliminer les rats, en fait, hein. Alors que pas du tout. Et on pourrait invade on peut plus invade personne du coup. Là faut juste qu'on se concentre sur notre évolution. On va dire ok. Là on a suffisamment de bouffe pour tout le monde. Donc on va refaire une nouvelle migration. Un autre camp. Et là on commence à être pas mal en vrai. On commence à être vraiment bien. On a donc 5 camps. Il en manque encore 2 et on va être bon. Ce qui voudrait dire qu'il nous faudrait d'autres points. Et donc là, il nous faudrait combien? 1800 points, on est à 500. Donc ça va aller assez vite, on a même augmenté un peu de la vitesse. Pour l'instant, on n'a rien de mieux à faire. Je suis assez content, vraiment. On a défoncé les rats. Je pensais pas que c'était... Je pensais que c'était ma condition de victoire, initialement. Je me rends compte que non, mais ok. Ouais, par contre, je crois qu'on a un camp qui est un peu en galère. Pourquoi? Pourquoi tu galères autant, toi? Vous êtes peut-être trop nombreux. Non, 19. Là, on est 36. Là, on est 25. Pourquoi vous galérez autant? Ah bah oui, vous galérez parce qu'il y a en même temps les... Je pense qu'ils galèrent de ouf. Parce que, justement, il y a encore les rats... Alors, c'est pas des rats... C'est des castors, les beavers. C'est des castors. Donc, je crois que c'est encore des... Il y a les castors qui sont en train de bouffer nos ressources en même temps. Ouais, on n'a pas beaucoup de ressources, là, franchement, autour. C'est compliqué. Ah ouais, mais tout commence à être bouffé de ouf, là. Peut-être par là, c'était un peu mieux. Allez, je vous fais migrer. On espère tenir encore un peu. Et donc, la condition de victoire, c'était d'en avoir 7 camps. On a 6. Ça peut se faire. Et là, pour migrer, il faut aller 2100. Ouais, ça va se faire assez vite. Et vous voyez, on commence à devenir la population la plus importante de toute la forêt. Alors qu'initialement, on était les plus faibles. Hein. Donc, je pense qu'on peut être assez content de nous, vraiment. Je pense que... Ouais, moi, je suis assez content de moi, pour être honnête. Regardez ça, c'est notre petit territoire qui commence à évoluer.
Du coup, ouais, je vais pouvoir migrer, donc on va faire en sorte de migrer par là, il y a plein de bouffe. Donc, allons-y. Alors, on peut continuer de jouer, mais il n'y a plus vraiment d'intérêt. Mais bon, voilà, ça vous permet de d'avancer un petit peu. Alors, il y a plein de quêtes différentes, hein. D'abord, j'ai commencé par le lapin, après j'ai commencé par, par un autre lapin un peu plus énervé. Là, on a pris un petit peu les écureuils, mais vous avez maintenant les chameaux, je crois. Après, vous avez les renards, enfin, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Le jeu est cool, le jeu est cool. Il vaut 12,50€. Je trouve qu'il les vaut, réellement. On a moyen de s'amuser sur ce jeu. Après, c'est un petit jeu, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage à vous abonner, lâchez le petit pouce bleu, commentaire qui fait plaisir, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.